Salut bande de petites truffes. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique tout simplement simple. C'est pour avoir plus d'FPS sur Second Life. Donc, c'est pas une technique magique. Hein. C'est par exemple, si vous avez pas beaucoup d'FPS, vous pouvez tout simplement vous amuser à vous envoler et aller le plus haut possible sur une sim. Donc ici, on est dans la Water Edition. Ça vous permet au pire de voir jusqu'à quel niveau ça peut aller au niveau FPS. Donc comme vous voyez, je suis en train de grave monter et je suis en train de monter ultra haut. Donc du coup, je suis en train de gagner, mais un truc de fou en FPS. C'est un truc de taré. Alors moi, je remonterai pas plus que 120 FPS. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai mis la limitation à 120 FPS. Donc du coup, ça n'ira pas plus haut. Surtout que mon truc, il va pas plus haut que, il va pas plus que 60 Hz. Voilà, je suis au maximum là. Je peux même, apparemment, ça va même plus haut. Donc le truc que tu vois. Et comme vous voyez là, je suis ultra haut. Et en fait, du coup, ça permet d'avoir un truc, d'avoir quelque chose de fluide. On peut du coup vérifier mon embryon. Oui. Enfin, s'il veut bien ne pas être flou. Il est beau, regardez-moi ça, comme il est magnifique. Regardez cette fluidité. Bon, ça a descendu à 70 fps parce qu'il y a un truc qui bouge, mais là au moins vous voyez une qualité au-delà de 60 fps. Bon, vous c'est du 30, mais au moins vous êtes sûr que c'est du 30 constant. Hein. Et comme vous voyez, c'est vraiment classe, c'est quali, c'est beau, c'est ouh, magnifique. Il est de toute beauté ce Noctali, ce beau gosse, Titude, il est de toute beauté. Donc voilà, comme ça, je vous montre un peu une technique qui vous donne une idée du niveau d'FPS qu'il y a souvent au niveau de la sim. En fait, c'est ça, Second Life, le problème avec ce genre d'endroit, c'est que souvent, ça rame à mort. Enfin, il y a beaucoup de chutes d'FPS. Et du coup, c'est un peu casse-pied, je trouve, personnellement. Je trouve ça très dommage qu'il y ait autant de soucis d'FPS comme ça sur SL. Mais sinon, j'adore, moi, SL, personnellement. C'est juste dommage. Donc là, je m'amuse à montrer mon personnage dans tous les angles. Puisqu'on a beaucoup d'FPS, donc vous avez beaucoup de qualité. Enfin, c'est surtout que c'est ultra fluide. Mais le truc ici, c'est surtout aussi, il ne faut pas oublier que... comment dire, vu que c'est OBS qui filme et lui il va pas plus haut que 30 fps en termes de vidéo, ben vous ça restera du 30 fps, mais on va dire que au moins vous êtes sûr d'avoir une fluidité ultra quali quoi. Donc ça c'est une technique en fait, c'est que du coup c'est pratique de peut-être éventuellement payer des sims en fait, des trucs de location de sims, et que du coup vous vous mettez en hauteur et vous pouvez construire votre truc tranquillement sur la sandbox ou l'endroit où vous pouvez habiter. Et en fait ça sert à ça en fait, à être en hauteur. Ça permet de s'éloigner des autres mondes qui sont en longueur de taille. Pompe énormément sur votre PC et affichage, et ça réduit fortement les FPS, et du coup c'est pratique. Donc ça c'est une astuce pour ceux qui ne savent pas, pour SL, si vous savez pas ça, c'est une bonne technique, c'est toujours aller en hauteur. Le problème c'est que ici par exemple, je ne sais pas si j'ai les droits, on va voir, on va vérifier, mais je peux essayer de tenter de vous montrer tout simplement ce que ça donne si au cas où on sauterait ou qu'on aurait les droits. Donc regardez, automatiquement, désolé, automatiquement vous voyez, hein, quand on regarde vers le bas, je suis à 68 fps, j'ai des chutes, hein. Chutes, donc voilà quoi. Et ce qui peut être drôle aussi éventuellement, c'est de voler plus haut, bon voilà, parce que c'est rigolo, voilà, on va encore plus haut. Ah merde, je me gourre là, j'avance là. Voilà, hop, toujours plus haut, toujours plus haut. On peut aller très, 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 très haut. Il y a peut-être moyen... Je sais même pas s'il continue à aller haut. Ah oui, il faut regarder... Oui, regarder au-dessus, sur le côté, il y a les machins qui expliquent. Donc, ouais. En fait, ici, j'essaie d'aller d'ailleurs en hauteur, à point qu'on voit plus la... qu'on voit plus la machin. Attendez, il y a une technique pour ça.
Ah oui, non, c'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais bon. En fait, je voulais voir le sol pour pouvoir justement vérifier correctement, mais bon, apparemment, il n'a pas compris. Bon, en fait, ici, le but, c'est de s'envoler le plus haut possible pour ne plus voir la passerelle en bas. Et du coup, ça peut être intéressant. Ah ben voilà, c'est bon. On n'en voit plus. Et voilà. Et du coup, ben là, je suis carrément, on peut le dire clairement, dans le ciel. En mode Voltali beau gosse, en super bonne qualité, tout mou, fait de mousse. Donc je vais me remettre comme ça déjà. Hop. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Et du coup, bah, c'est ultra fluide. Hein. C'est badass. Et je peux faire tourner Koto. Et vous montrer mon Octali dans tous les sens. Bon, voilà. C'est pas un Octali, c'est un Voltali. Mais bon, je me gourre parce que... J'ai juste à acheter encore un truc pour lui. C'est un truc électrique. Ça coûte 980, là. Et du coup, c'est bon. Et du coup, ici, on va faire exprès de se péter la gueule, du coup. Parce que c'est rigolo. Et 3, 2, 1, top! On se pète la gueule. Donc là, je suis en train de tomber. Donc c'est rigolo. Vous voyez faire des animations comiques. Peut-être tenter une couille. De faire danser dans l'air. Et ça marche. Regardez. Ça sert à rien. Mais il danse dans l'air. Voilà. Bon, ça fait un peu bugger le truc par contre. Mais chii, poup. Et voilà. C'était rigolo. Donc voilà, c'était une petite démonstration à quoi ressemble le truc d'FPS au niveau. Enfin voilà ce que ça donne quoi. Nous sommes dans la truc de fondation Water ici. Bon, bien sûr, du coup, comme je me suis éloigné, ça a déchargé les trucs. Hein. Parce que moi j'ai mis en compression, donc du coup regardez, ça a déchargé les textures, ce qui est normal, hein, encore heureux. Parce que moi j'ai mis en mode compressé, donc du coup ça décharge automatiquement quand tu es assez fort à peu près. Mais en tout cas voilà ce que ça donne si vous vous éloignez. Regardez ici, je suis de retour dans les 30 fps, et selon au moment où je me bouge et tout ça, ça diminue. Mais voilà, sinon théoriquement, vu que vous avez justement dans les 30 fps, théoriquement, ça passe. Puisque, de votre côté, de toute façon, c'est du 30 fps diffusé. Donc, tant que je reste dans les 25, 20, 30, 20, ou au plus bas 25 fps, c'est pas trop grave. Surtout quand je bouge pas comme ça. Hein, y a pas vraiment besoin. C'est pas très grave que je suis légèrement plus bas. Ça reste fluide au niveau visuel, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, quoi, c'est pas très grave en soi. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ressemble cette donne. Surtout pas regarder par là, c'est là qu'il y a des plus grosses chutes d'FPS. Mais voilà, quoi, c'est stylé, il est trop soit. Je kiffe mon Voltali. Donc voilà. Et du coup, on peut essayer d'aller voir sur d'autres Sims, comme par exemple celle-là. Là, on peut peut-être éventuellement poster des trucs. Donc voilà, à chaque fois, ça recharge les textures. Voilà, ça, c'est un choix. Hop. Je me suis TP là où c'est classe. Donc comme d'hab, bien sûr, il faut attendre que tout charge. Celui-là, il est classe. C'est juste qu'il n'est pas chargé, donc il faut un peu attendre, mais il est classe. Donc voilà, là où... Mais en tout cas, vous voyez, quoi qu'il arrive, ça ne va pas influencer sur mes mouvements, parce que je reste à 30 fps. Voilà, c'est le truc minimum que j'ai ici, hein. C'est pas mal quand même d'avoir 30 fps, sincèrement. Hein. Faut juste un peu attendre que les textures s'amènent, quoi. Du coup, pour le moment, voilà, il faut un peu attendre, ça charge et tout ça. Mais voilà, c'était pour vous montrer ça, en fait, que, voilà, c'est stylé d'avoir ce genre de... Oula, mon personnage se met à aller vite. Ce genre de texture, de technique... Parce qu'ici, en fait, il me semble que je peux éventuellement créer un truc. Non, je peux pas. Attendez.
Ah non, c'est toujours pas. Ah, ce que je me suis goué. Ah, mais je l'ai pas en fait. Faudra que je demande au truc. Ok. C'est pas grave. C'est rien. Regardez, c'est en train de charger plus correctement. Ah, et on va pouvoir voir celui-là. Qu'est-ce qu'il est beau. Oula, où ça va? Trop swag. Et là, vous avez un chat. Bon, il n'est pas encore chargé, mais bon. Voilà, voilà, c'est une petite vidéo pour ça. Ici, c'est pareil, hein, ça revient au même, comme j'ai expliqué. Hein. La technique, c'est de tout simplement s'envoler très haut. Et du coup, hop, vous gagnez pas mal d'FPS, quoi. Parce que c'est toujours ce truc-là qui pompe le plus. Voilà, hop, regardez. Dès que je me mets plus haut, voilà. Je gagne, du coup, je suis à 80 FPS alors que j'étais... oula, le truc qui apparaît. Que j'étais à moins, quoi. Donc voilà, c'est une petite astuce pour vous faire comprendre comment récupérer des FPS sur Second Life. Donc il suffit de juste en fait de trouver par exemple une sandbox qui fonctionne. Il y a par exemple ici Timberweed qu'on peut éventuellement faire rapidement pour terminer. Je suis pas allé forcément directement. Ouais, le truc qui est chiant c'est qu'il faut qu'il recharge tout ce con. Voilà. Hop. Oula, il n'est pas absent lui. Et du coup j'ai juste à m'éloigner. Ah merde, là je... C'est parce que je vois rien, donc du coup je m'éloigne d'une manière bizarre. Je sais pas où je me suis éloigné là en fait. Je m'y retrouve pas en fait. Alors Lord de Pau, ok. Donc c'est l'autre côté que je vois là apparemment, c'est ça? Non. Ah non, c'est par là. Par là, par là. C'est parce que j'ai activé les textures compressées, c'est pour ça que ça prend un peu de temps pour charger. Donc voilà. Regardez ici, on peut poser des trucs. Donc la technique à ce moment-là, c'est de tout simplement faire la chose suivante. Vous déposez, vous créez une plaque. Vous l'étirez. Voilà, c'est suffisant. Vous allez dessus, s'asseoir, voilà, je m'assis dessus pour pas qu'elle pour quand je vais la lever. Et en fait, ce qu'il faut faire après, c'est de sélectionner votre truc, modifier et de faire. Ah, oula, ça fait bizarre parce que d'un coup il y a des sols. Et en fait, c'est la technique ici, c'est de mettre vers le c'est de modifier la hauteur. Je sais qui voilà, vous voyez ici. Vous avez en Z ici. Là, par exemple, si je mets 900, poup, regardez, je suis beaucoup plus haut. Je peux mettre même plus, hein. Apparemment, je peux pas aller plus haut. Et voilà. Et du coup, vous faites se lever. Vous vous pétez pas la gueule, sinon vous allez perdre votre truc. Et voilà. Comment placer bon, ici, je peux pas. Hein, je ferai pas ça. Mais voilà, la technique serait ça. Vous voyez. Du coup, là, vous avez juste à placer votre truc. Buder et faire tranquillement votre travail. Quand je dis blaster, ça c'est pas laisser ça comme ça, hein. Ici c'est pour vous montrer, mais du coup vous pouvez tout simplement faire modifier et du coup étirer encore plus ce machin si vous souhaitez. Voilà, par exemple, si par exemple je sais pas, vous faites quelque chose de grand, voilà, tout simplement. Et du coup vous avez un truc de chez
vous avez un truc tranquille où vous êtes tout seul avec 80 FPS et vous pouvez rester ici si vous souhaitez et vous pouvez éventuellement changer la texture aussi si vous souhaitez puisque c'est votre bloc à vous. Texture. Regarde en passant. Texture qui sert à rien quoi. Regardez. Ah pourquoi pas lol. C'est marrant. Regardez. Texture, soin. Voilà. Ça c'est classe. Mon dessin. Donc voilà, là du coup bah, c'est stylé parce que vous avez un dessin en géant. Bon là c'est pour le lol hein, que j'ai fait ça, mais je vais pas laisser. Hein, voilà, du coup vous voyez mon magnifique Wu dessin que j'ai fait récemment. C'est un. Bah, c'est un Skull Dog, quoi, tout simplement. Mais voilà, c'est pour vous montrer normalement et ce qu'il faudrait mettre, qu'en fait c'est un. Allez, c'est autre chose en fait. C'est un sol, un vrai sol. Un vrai truc de texture sol. Attendez, c'est où ça? Non, c'est pas ça. Je sais pas, je trouve pas. Ah, c'est dans bibliothèque, je crois. Non, 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 pas là. Texture. Oui, voilà. Lol, ça doit faire bizarre après. Ouais, attends. Ouais. On va tester une on va chercher une bonne texture. Ah oh, celle-là a l'air de marrante. Je vois rien avec le truc qu'on fasse quoi. Ah celle-là elle est rigolo, elle me fait rire. Ça n'a pas de sens mais elle est fun. Voilà. Et du coup après vous avez juste à regarder. Modifier la valeur pour que ça soit pas trop étiré. Pour que la texture donne un effet un peu plus. Un peu moins étiré comme ça. Par exemple, je peux laisser comme ça. Et voilà, et du coup, ça fait un parterre de rien. Bon, ici, c'est des conneries hein, que je fais, on est d'accord. Hein. Ça sert à rien ce que je fais là. Mais voilà, et du coup, vous pouvez, par exemple, créer une maison. Ici, vous pouvez faire recréer, il n'y a pas de problème. Hein. Hop, vous créez votre cube. Et vous faites votre maison en question, hein, donc étirer. Bon là, je vais rien faire moi, hein, mais c'est une démonstration. Vous voyez, c'est pour vous montrer. Donc ici, je sais pas pourquoi ça a montré, mais ça a pas fonctionné. Mais voilà, comme ça, vous savez comment on fait. Donc je vais reprendre ça parce que c'était un test. Voilà, voilà, comme ça, vous avez vu ce que ça donne. J'espère que j'ai pas gêné le fondateur, c'était juste une petite vidéo pour montrer. Mais théoriquement, c'est à ça que ça sert une sandbox. Tant que tu laisses pas le truc, ça va quoi. Ici, je prévois pas le laisser machin, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo comme ça, sur ça. Hein. Donc je vais voir que tout le monde n'est pas fâché contre moi, non je déconne. Je pense pas, mais c'était un test pour vous montrer en même temps et pour me rappeler moi-même. Donc ici, je vous dis à bientôt et à prochainement sur cette vidéo.